On continue avec cette courte vidéo. On continue le cours de trading pour débutants. Pour introduire une notion que je n'ai pas parlé dans la vidéo d'avant, que j'avais laissé un petit peu en suspens, j'ai préféré faire une courte vidéo, mais consacrée à ça, sur un terme, voilà, que vous aurez à retenir, qu'on appelle le gap. Donc, on voit surtout sur le marché des actions. Vous voyez, entre cette bougie et cette bougie, il y a un grand vide. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, on voit qu'hier, à 17h15, les cours sont clôturés. C'est la fin d'une journée. Voilà, pour ce qui est le marché des actions, on ouvre à 9h du matin, on finit à environ 17h. Voilà, comme là, 17h15. Les marchés sont clôturés. Et ils rouvrent le lendemain matin, vous voyez, à 9h. Et donc ici, à 17h, le marché a ouvert ici. Vous voyez, il est descendu jusqu'ici, il est monté jusqu'ici. Là, je suis sur le 15 minutes. La bougie a clôturé ici. Et le lendemain matin, à 9h, on a rouvert beaucoup plus haut. Voilà. Les acheteurs sont positionnés en force. On a rouvert ici. Et le cours a repris. Donc si moi, ici, j'avais laissé une position ouverte, par exemple, en vente à découvert, en pensant que le lendemain matin, là, on appelle ça un gap haussier. Si c'était à l'inverse, le gros creux serait passé ici. On appelle ça un gap baissier. J'avais pensé que les bougies allaient continuer à la baisse le lendemain. Que j'avais positionné, par exemple, un stop. Comme ceci. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, vent. Ah oui, parce qu'il me prend du cours normal. Oui, je peux pas le faire. Je vais mettre un indice pour enlever. Voilà, hop. Peu importe, c'est simplement pour enlever. Voilà, ici effectivement il met une vente à découvert parce que je suis sur le cours actuel là. Je ne peux pas vous montrer vu que c'est déjà passé. Là, si je prends une vente ici, c'est par rapport à ici. Voyez, si je pense que les prix vont baisser, je vais faire ça, placer un ordre. Et si les prix baissent, effectivement, comme je vous ai montré juste avant. Donc là, moi, si j'avais mis un stop, laissé traîner un stop pendant la nuit ici, voyez, et pris une vente à découvert à 17h. Ben, j'aurais perdu de l'argent, les prix en fait seraient montés. À l'inverse, si j'avais mis un stop ici et un achat en ici, j'aurais gagné le lendemain matin à l'ouverture, j'aurais gagné de l'argent avec ce gap. Vous voyez ce que c'est un gap? C'est ça. Donc ici c'est un gap haussier. Et vous voyez, regarde ici, on a un petit gap baissier ici. Vous voyez, ça a fini ici. Et le lendemain, on a rattaqué plus bas. Voilà. Gap baissier. Gap haussier. Voilà. Très très simple, mais il fallait que j'introduise ce terme. Et on va continuer petit à petit le cours. Merci et à la prochaine vidéo.